Eh bien bonjour à tous, c'est Benkog et on va se retrouver cet après-midi sur Flight Simulator. Après un petit vol hier qui m'a pas convaincu, aujourd'hui on va essayer de faire un autre vol. Donc on va partir de Bilbao pour rejoindre Madrid. On va vraiment arriver au centre de l'Espagne, à la capitale, en G36. Ouais, j'ai voulu changer du TBM. Je pense que j'ai l'impression que le TBM, il y avait des petits bugs au niveau de l'ILS, notamment du lock. J'ai quand même regardé des petites vidéos hier soir et ouais, apparemment il y a quand même eu des petits soucis. Donc on va démarrer ici. On va déjà charger le jeu. J'ai déjà préparé mon sim brief. On nous annonce un départ entre 13h15 et 13h35 UTC, donc ça fait 14h, entre 14h15 et 14h35 réel, pour une arrivée entre 15h12 et 15h20, donc ça fera 16h12, 16h20. On verra en fonction de comment ça se passe. Je pense que là, on a quand même 45 minutes de préparation, c'est pas mal. D'autant plus que ça a un G36, on va pas avoir énormément de préparation. Je vais juste regarder, est-ce que j'ai une checklist? Est-ce que j'ai une checklist pour le TBM? Non, j'ai pas de checklist. Il va falloir on en chercher une. Voilà, de retour. Donc voilà, on a la checklist. Est-ce qu'on peut la zoomer? Je sais pas attends, si sur le live on va bien voir. Si on voit correctement, c'est bien. Glitch Dutch. On peut pas la traduire, c'est dommage. Bon, on verra avec ça. Je vais me la mettre sur le côté. Voili voilou. Donc en tout cas, voilà notre petit Bonanza. G36, alors c'est un plus petit, hein, coucou. On a le donc immatriculé VHSYZ World Tour, la livrée World Tour. Oh, voilà, c'était un petit détail. Voilà, il y a moins de boutons que dans le TBM. Ce Garmin-là peut-être un peu plus facile d'utilisation, on va dire entre guillemets. On va essayer, je ne sais plus encore. Les trucs, en tout cas, on va commencer la checklist. Est-ce que dans le jeu, il y a une checklist intéressante ou pas? Non, il n'y a rien du tout, ok. Ok. Spécification, limitation. Là, je regarde hein, la checklist. Je vais la mettre avec vous. Comme ça. Alors, nous, on va s'intéresser tout de suite au fuel planning. Ok. Donc, l'inspection du cockpit. Donc, je vais le mettre quand même sur le côté. Ça sera mieux pour moi. Alors, l'inspection du cockpit. Fuel load manager. Set check CG. Alors c'est vrai qu'il va falloir mixer avec le... Fuel tank selector, ok, on est en lancement gauche, en droite, ok. Nos hangars tout blur panel, ok. Parking brake, il est bien mis. Alors le front parking, il est où là-dessus? Ici, là. Ici. Là, il a enlevé, là il est mis. Ok. All switch off. Donc tout est sur off. Tout est sur off. Ok. Landing gear. Donc le train d'atterrissage sur down. Il est bien sur down. Hein, on a bien le train d'atterrissage de sortie. Trim stabs sur 0. Alors trim stabs. Trim stabs, trim stabs. Ça, c'est les flaps.
auxiliaire, fuel, taxi, flou de nav, tout ça c'est les feux, avionique, AVC. Ok, master, ça c'est les batteries. Je sais pas trop, c'est... Ah, c'est peut-être... non. Attendez, alt 1, alt 2. Ctrl 2, Ctrl 3. Ctrl 4. Non. Bon, il n'y a rien de... Ah, qu'est-ce que j'ai fait? En contrôle 1, voilà. Désolé, bon. Bon, bon, bon. Attendez, parce qu'en même temps, je regarde un truc. J'ai perdu. J'ai fermé ma playlist, enfin ma checklist. Ok, alors on continue. La batterie 1 et 2 sur on. Ok, on va allumer les batteries. Voilà. PFD reversionary mode. Après, on allumera l'autre écran. Select page engine system. Donc, faut sélectionner la page engine system. Ok, on va regarder que le bus 1, il y a bien minimum 23 volts, c'est bon. Donc ça, c'est les batteries en fait. Hein. Des deux côtés, il y a bien 23 volts, ça c'est bon. Landing gear position light check. Donc on va checker la lumière. Ça a l'air d'être bon. Annonciateur test button. Non, y a un bouton de test. C'est ça, mais il a pas l'air fonctionnel. Ok. Standby altitude indicator, ok. C'est bon. Extérieur et intérieur light check as freak. On peut allumer déjà les strobes, je pense. Ça, les strobes, il me semble, c'est les trucs qu'on annonce qu'on va pas tarder à démarrer. Et ce que je vais faire aussi, je vais générer mon... Je vais allumer mon enfin, le truc là de fly-by-wire. Voilà, ça va me générer normalement du trafic. Ça sera mieux. Est-ce qu'on va le voir ici? Je sais pas encore. Si c'est mis en route. On va start. Ok, on va start ça. Voilà, ça va générer du trafic. Ah, vous voyez à côté, ouais, ça pop. Et ça, c'est quand même plus cool. D'avoir du trafic réel. Voilà. Allez, on continue. Pourquoi il veut pas s'allumer à droite, je ne sais plus. Je sais plus trop. Alors, on verra après. Batterie 1, 2, off. Bon, ok. Donc avant le moteur, extérieur, pre-light, inspection, boarding complète. Les fenêtres sont bien fermées. Ok, on vérifie que les commandes fonctionnent. Ça c'est bon. Donc landing gear done, c'est bon. Le throttle est bien. On close. La mixture à fond, les cowflaps
Up, ils ouvrent déjà les... Non, en up, ça c'est bon, ok. Avionic Circuit Breaker in. Avionic Master. Les avioniques, il me semble que c'est ça. Voilà, du coup, là, ça va nous... nous ouvrir ça, ok. Batterie 1, 2, on, avionique test. Mais ça, on peut pas. Navlight as required, donc feu de navigation. Donc les feux de navigation et les beacons. En fait, je crois que c'était les beacons qu'il fallait allumer avant. Moi, je suis un débutant, hein, ne m'en voulez pas. Hein. J'essaye de y arriver au fur et à mesure. PFD Revisioning Mode, ok. Tool Selector Valve Check Opération. Ouais, la pompe auxiliaire sélectionnée low. La pompe, elle est où la pompe? On n'a pas de pompe. Ça c'est le... ouais, mais ça on peut pas. C'est... Voilà, ok. Et où la pompe auxiliaire? Ah, elle est là. Ok, la pompe auxiliaire. Select low. Donc on va se mettre en low, voilà. PFD Select Patch Engine System, ça c'est bon. Engine System. Ok. Fuel Selector Valve 7, check opération, oh, ça c'est bon. On peut mettre du coup la pompe auxiliaire sur off. Ok. Et là on va pouvoir commencer les moteurs. Alors avant de mettre les moteurs, moi j'aime bien faire mon plan de vol en premier. On va faire le plan de vol en premier. Je vais me mettre. C'est simple, hein, je vais mettre ça Simbrief sur le côté. Et on va rentrer notre route. Ah, faut que je me souvienne. Hein. Airport Information. Non. Auxiliaire. Map. Airport Information. Entrée. Donc le plan de vol, c'est flight ici. Il faut que je me souvienne comment on l'utilise, hein. Désolé. Normalement c'est là-dedans, active flight plan. Bon, ça c'est les noms. Menu expand airways, direct flight plan, invert. Origin, normalement dans Origin on doit mettre... Ah, faut que je me souvienne. Ah voilà, oh voilà, ok. Origin. Donc nous sommes à
Non, on va faire entrée. Donc c'est en dessous. Comment on fait déjà? Airport. Ok, c'est là. Donc on est à L. Alors c'est pas très pratique hein, par rapport à un normal, mais on est à L, E. Ok. L, E. B. L, E, B, B. Entrée. On va prendre la piste. La piste 30, nous, c'est ça. Ok. Mais normalement, c'est ici que je dois mettre... Ok, bon, c'est ici. Je me suis gouré, c'est G-H-J-K-L, L. E. L, E, non, c'est L, E, B, B. Voilà. J'ai mis un I. Oh, faut recommencer. L, ouais, c'est pas pratique, mais on s'en sort. L, E, B. L, E, B, B, Bilbao, entrée. La piste. Donc, on dépasse. Pas, on décolle de la piste, je l'avais vu. Décollage de la piste 30. Ok, elle est ici. On valide. Ok. Pour l'aéroport de destination LEMD Madrid. Donc L, E, M, D, Madrid. Voilà. Donc nous on va là et on atterrira normalement sur la piste 32R qui est ici. Entrée. Voilà. Au milieu de tout ça, on va sélectionner procédure de départ. Donc la procédure de départ, c'est par Amto 3A. Anto 3A. Je suis à B là. Anto 3A, c'est ça. Séquence. On a la séquence, on a tout ça. Ok. Et là, on peut faire load. Ok, on a notre départ. Ensuite, on va sélectionner une approche, procédure d'arrivée, du coup. Je le fais tout de suite hein, pour l'instant. Et on va passer par Montu. Donc mon Montu Nantes 3C. Donc c'est ici. Donc non, c'est November. Je ne sais plus. November. Enfin voilà, il faudrait que j'apprenne l'alphabet phonétique un jour. Et on arrivera en 32R ici. Donc la séquence, voilà, est ici. Et on n'a plus qu'à load. On voit, c'est cohérent ce qu'on voit. Ok, on a notre plan de vol.
Et entre Amtos et Nontu, on va ajouter. On va ajouter le point Néa, apparemment. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on fait dans ça. Le point Néa. 70 nautiques, c'est pas déconnant, c'est ça. J'aimerais bien voir. C'est où déjà le range? Ouais, voilà, le point Néa est ici. C'est ça, Néa, non tu. Bah voilà, on a notre plan de vol qui est complet. Point de vol complet. Donc maintenant que ça c'est fait, on va aller quand même sur Navigraph. Qu'est-ce qui me dit Navigraph? Est-ce qu'on a des niveaux de la procédure de départ? Donc nous on est stationné. Je sais plus trop où je me suis mis. En tout cas, on va décoller de là. Je sais plus, j'ai dit quoi? La 30, je crois. Ouais, c'est ça. On va décoller de la 30. Et donc nous on va partir vers Anthos, donc ici. En fait nous c'est ça, on va faire ça, on va décoller ici. Il faudra qu'on soit au-dessus 3000 pieds. Ah, ah j'ai tellement l'habitude. Attendez, hop. Et de se remettre droit comme il faut. Voilà. En fait, on va. Il faudrait qu'on soit au-dessus de 3000 pieds ici. Au-dessus 4000 pieds au Vore de Bilbao. Au-dessus 10 000 pieds à Anthos. Et puis après, bah, let's go, j'ai envie de dire. Donc tout ça c'est bon pour notre plan de vol. On n'a pas grand chose d'autre à. Donc maximum 250 nœuds, mais bon nous on n'ira pas à cette vitesse-là avec notre avion. Ok. Donc le plan de vol, c'est bon. Point de vol, c'est bon. On va pouvoir démarrer notre avion. Alors, il est déjà 14h. Hein. On est censé partir dans 15 minutes. Donc, on va essayer de se dépêcher un peu. Donc, les beacons. Ah, ok. Les beacons, normalement, c'était ici qu'on les mettait. Bon, c'est pas grave. Throttle full open. Cool. RPG. Donc, ça, c'est ok. Height RPM, donc ça c'est les tours en fait. Ok, la mixture sur full rich, c'est bon. Auxiliaire pompe, inutile fuel pool, height, donc sur height. Les magnétos. Hotel close vane demi, it's open, ok. Et les magnétos sur start. Et on se met entre 1000 et 1200 tours. Hop, hop, hop! Wouh! J'ai pas vu! Bon, on était déjà parti, c'est pas grave, on va dire. On va dire, voilà, on a un petit peu bougé quoi.
Donc là, on se met à 1200 tours. On va mettre un peu plus de tours. On voit, ils sont ici, hein. Entre 1000 et 1200, hein. Un peu moins. Un peu moins. Bon, on est pas mal. Ok. Entre 1000 et 1200. Propeller sur ITRPM. Mixture sur cutoff. Je regarde en même temps la fuel pompe pendant 30. Ouais, mais là on n'a plus besoin de la pompe auxiliaire. Il y a une pub qui s'affiche. Donc la pompe auxiliaire, on n'a plus besoin. Voilà. Mixture full riche. Ok. Ok. Une fois qu'on a démarré, donc 1000, entre 1000 et 1200 tours, les avioniques sur on. Donc les avioniques, c'est bon. PFD, check normal mode, ouais, ok. Alerte, donc au niveau des alertes, c'est bon. On peut mettre l'alternateur en route. Et là, on peut voir que quand on met l'alternateur en route, il prend bien le relais au niveau des batteries. Voilà, il se recharge. Pas de problème. On est bien entre 25 et... On est bien entre 25 et... Pour le 1, donc il faut être entre 27,5 et 29, on a 28,3. Et le deuxième, il faut être entre 25,7 et 27. On a 28, je sais pas trop pourquoi, mais... Ok. Ensuite, Internal Light as Require, PFD Setup as OK, l'avionique GPS Radio 7. On va regarder aussi au niveau de... On regardera ça plutôt en vol. Tout ce qui est ILS et tout. Par contre, on a vu qu'il fallait monter à 11 000 pieds, donc on va pouvoir régler. Le barreau, bon, j'ai appuyé sur B pour le faire là. Pour régler l'altitude. Ça, c'est les communications. L'altitude, c'est ici. Donc, on va mettre 11 000 pieds. On avait vu l'entrée. Voilà, l'altimètre est checké. Le flight plan, c'est bon. La nav source select. Donc, on va aussi pouvoir contacter. Demander autorisation IFR pour le plan de vol aux instruments. Voilà. On m'a demandé une autorisation. Pourquoi il me met Bararas, l'aéroport de Bararas? Eh bien, le MD, hein, ouais. Ça se dit Bararas? Ok. Transpondeur 5725. Alors, le transpondeur. Identité, non, c'est pas ça. Ouais, ça y est, il l'a mis là. Ok. Donc, on va demander un roulage IFR. Donc, le transpondeur, c'est bon. L'autopilote altitude, voilà, c'est bon. Standby altitude indicator. Standby altimètre, ok.
Donc avant le taxi, on va contrôler les foulements, on va mettre les feux de taxi. Donc les feux de taxi, normalement, ils sont ici. Au niveau du fuel, on est bon. Et je crois qu'il va falloir switcher. Oui. C'est bon, accepter le roulage. On va emprunter la voie de circulation 3D. Alors c'est la piste 28D1. Ok. Normalement, quand je fais ça... Je sais plus où on voit les réservoirs. Fuel quantity, ouais, air, light, ok. On voit qu'il y en a plus dans le air, dans le droite. On voit pas très bien par contre la vue ici. Non, il y avait une vue comme ça. Donc le, ok, il y en a plus ici, donc on va se laisser ici, ok. C'est compliqué, hein, mais... Allez, on continue. Taxi light, ok. Et après, on peut demander, du coup, un repoussage. Donc là, on va demander un repoussage n'importe quel côté. On va demander à droite. On entend un gros avion près de nous. Le flight director, on peut déjà l'activer. L'autopilot, ok, l'altitude, la nav. On peut se mettre déjà en nav. On voit bien qu'on est en GPS. En roll ou en GPS là. Ok. On est bien aussi ici en GPS. Là, ça sera le lock. Ok. On va attendre que notre ami vienne nous chercher. Bon, c'est pas très réaliste parce que vous allez voir, il va passer un peu au travers et il va se prendre l'hélice en pleine tête, hein, notre ami. On va le cacher. Hein. On va cacher ça. Donc nous, on départ bien de la 30. On va aller faire une boucle par là-bas pour repasser au vertical de la piste à environ 4000 pieds. Et après, on montera tranquillement au point Anthos. Atteindre les 10 000 pieds, donc non, c'est 10 000 pieds. Je me suis trompé, autant pour moi. 10 000 pieds de prévu. Je sais pas, ils ont prévu combien, hein. 14 000 pieds, eux. Ouais, on verra. On verra ce simbrief. On prévu un peu plus, un peu moins, je crois, pardon. Simbrief, il prévoit une altitude de combien? Altitude initiale 5000 pieds. Il dit 5000, d'accord. Se mettre en carte du monde, ok. Ah, c'est cool. Niveau de la météo, donc on peut aller checker le métar aussi. Bon, on l'a sur Navigraph. Hein. Alors, avant de regarder le métar, on va lui dire de faire un pouce vers la droite et on va enlever le frein de parc. On va vers la droite et on va stopper. Alors j'ai pas mis, j'ai pas d'add-on pour bien gérer ça. Ok, voilà, la fin du repoussage.
Là, je vais le fermer. Alors, j'ai beaucoup de pages d'ouvertes, hein. Non, mais on n'est pas trop mal. Before take-off. Donc maintenant, on peut aller directement au take-off. Tout est bon. On va rouler jusqu'au point d'arrêt. Alors, je vais... Hop! Me faire un peu de place, mettre mon joystick à portée. Voilà. On va dézoomer un peu. Donc on a bien nos feux de taxi. On va mettre un peu de gaz. Et on va y aller. Donc c'est par là. J'ai mes câbles, bon, forcément du pédalier qui m'embête. Voilà. Mets-toi bien. Hein. Ah, c'est vrai qu'il tourne pas super cet avion. Tout cas, on va quitter l'aéroport de Bilbao. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. C'est un peu mieux que le TBM. A l'air moins compliqué quand même ce Bonanza. Bonanza G36. Bon, après, ça va être un vol assez long quand même, parce que c'est un petit avion, ça va moins vite qu'un TBM. Alors, on va traverser la piste ici. On va contrôler quand même. Moi, qu'il y a un avion là-bas qui se pose, mais c'est pas, ça ne concerne pas. L'autre piste. C'est beau hein, de voir ça. On n'a rien qui arrive. Un petit Airbus là. Un petit Airbus qui se pose. h 15, on devrait avoir décollé. Bon, on va avoir un petit peu de retard. Après, je pense que j'accélérerai un petit peu la simulation. Là, d'ailleurs, je suis en quoi là? Je vais me mettre en U. Voilà. Ça fait plaisir pour l'instant de pas trop se foirer. Bon, à part le frein de parking qui n'était pas mis, hein? On n'a rien vu. Et on va s'arrêter ici. On va contacter la tour. Alors avant de demander une autorisation de décollage, je vais remettre le frein de parking. On va revérifier que tout est bon. Bon là on voit. On est déjà à la piste là? Attendez, on va baisser le range. C'était où déjà? C'est le barreau. Range ici. Il faut qu'on remonte la piste en fait. En fait, il va falloir qu'on remonte la piste, d'accord.
Ah, il y a un avion qui se pose. C'est étonnant qu'il se pose de ce sens-là. Accepter, attendre. Ok. Arrêtez-vous avant la piste 12. Pourquoi ils me disent un départ piste 12? Attendez. Salut. Attends, parce que. J'ai pas vu ton pseudo. Salut. Zimonowak. Voilà, il me dit d'attendre, mais. Autorisé au décollage. Pourquoi c'est piste 12? Alors lui, il me fait décoller la piste 12. Mais le problème, c'est que nous, on est censé partir de la 30. Bah écoutez, on va écouter ce qu'il dit. Hein. On va remonter à la piste et. Moi, si je regarde ça, là, je dois décoller de la piste 30, moi, pas de la 12. Hein. Bon, c'est pas grave, ils vont pas être contents, mais bon. On s'est mal compris, monsieur l'ATC, je crois. En tout cas, on va regarder vite fait la checklist avant de partir. Faut que je la retrouve ici. Alors, before take-off, donc le parking brake set, engine instrument check, flight instrument check, throttle à 1700, on se met à 1700, tour minute, un peu moins, on est trop là. Évident hein, de se mettre pile poil. Ok, on a 1700. Exercice au peut-être 200. Alors ça, je sais pas trop ce que c'est, propeller. Exercice, faut obtenir d'entre 2 et 300. Alors est-ce que c'est ça? Il faut descendre jusque. Jusque 200-300 tours minute. Ah, j'ai pas trop compris. Bon, les magnétos, ça, je connais. En gros, il faut se mettre magnéto gauche. On vérifie qu'il n'y a pas de perte supérieure à 150 tours minute. Là, on est bon. Magnéto droite. On est bon. Bon, je vais pas faire toute la procédure. Hein, voilà, c'est. Je l'ai mis sur Star, merde. check for. Ok, on va se mettre à 2000 tours minute maintenant. Ça m'a 2000 tours minute. Check for boost message. Ok, pas de message d'erreur. Les voltages du bus, on est bon. Ok. On va mettre les flaps. Donc les flaps on. Ok. Les ailerons neutres, l'élévateur trim 3 degrés. Ah, ils le mettent à 3, hein. Nose up. C'est à 3 qu'il faut le mettre ou. Les flaps c'est bon. Flight control, on va retirer les taxis, on va mettre les feux de décollage, enfin d'atterrissage. Les fenêtres sont fermées. Fuel selector. Là on est sur le droit. Bon, on est pas mal pour l'instant.
La pompe auxiliaire sur off, pas de message d'alerte. L'altitude, elle est sélectionnée. Standby altitude, ok. On va refaire un petit réglage QNH, c'est bon. L'éclairance, ok. On a, bah, en fait, il a fallu faire l'éclairance que maintenant, d'accord. Les sondes pitot, on peut les mettre en route. Où que c'est qu'elle est? Pitote. Anti-rage, on va mettre. Je sais pas s'il faut les mettre, mais bon, je préfère les mettre. Transpondeur, c'est bon. FAP, c'est bon. Ok. Donc, vitesse de rotation à 73 nœuds. Vitesse de rotation à 73 nœuds, ok. Bon bah voilà, c'est parti, on peut remonter la piste. J'ai l'impression qu'il est pas stable du coup d'avoir fait comme ils ont dit. Moi, je suis désolé, ils vont pas être contents. Mais moi, j'ai décidé de décoller de la 30. Je sais pas pourquoi ils font décoller de la 12. Alors que dans mon plan de vol, j'avais bien mis la 30. Hein. Ouais, elle a bien runway 30, là. Écoute, écoute, hein. Nous, voilà, c'est... C'est le Benko chez nous et... Et c'est tout. Ah, du coup, on va remonter la piste. Alors, j'espère qu'il n'y a pas d'avion qui arrive derrière, du coup. Bon, après, ça va. Flight Simulator, il n'y a pas de collision avec les autres. Donc, landing light on. Les beacons, c'est bon. Les strobes, c'est bon. On remonte tranquillement, il est 14h25. Voilà, on peut décoller jusqu'à 14h35, donc on est dans les temps. En tout cas, il fait très très beau. Bon, il y a des avions de Welling là. Ah, c'est cool hein, d'avoir les livrés. Bon, je pense que c'est pas mal là. Hein. On a bien remonté la piste. On va pouvoir... faire notre demi-tour. Je trouve qu'il a un mal fou à tourner, hein. Voilà. J'ai l'impression que le nez se lève trop, il va falloir... Hop, on va remettre le frein de parc. Allez, on est prêt. Moi, je pense qu'il faut que je le mette sur... ouais, comme ils avaient dit sur le 3. Là, c'est stop. Je pense que c'est dans le vert, là, qu'il faut le mettre. Et on va le mettre dans le vert, on verra bien. On va peut-être être surpris au décollage. Hein. Alors, line up on break, set rotor. Full RPM, ok. On se met à 2700 tours. On se met en full. On enlève le fan park. La rotation se fait allez rotation on va essayer de régler tout doucement le nez.
On est un peu haut. Hein. Ah, il a quand même du mal à se lever, le... l'avion. On va enlever les... le train. Oui, oui, on sait, on sait, on sait. On va mettre l'autopilot. On va régler l'altitude. La vertical speed. On va monter une vitesse de croisière de 800 pieds minute, voir. On va se mettre en nav GPS, ça sera mieux. Voilà. Pour l'instant, c'est pas trop mal. Il va se recaler. On va contacter Madrid Centre, ok. On va enlever les flaps. Et donc là, on est au-dessus Bilbao. Alors, il a l'air d'être assez capricieux pour monter, par contre. Donc, les flaps, c'est bon. Landing gear, ok. On va enlever les feux. Les feux de quoi qu'ils veulent enlever? Pas tout de suite, hein. Les flaps, c'est bon. L'anti-ice, c'est bon. Ouais, leurs conditions, c'est bon. Le pompe auxiliaire, c'est bon. Ok, et puis après, ça sera la croisière. Et bien voilà! On s'en est sorti. En tout cas, c'est très joli, Bilbao. Hein. Alors, attendez. Je vais juste checker un truc. Il faut que j'enlève les points d'intérêt. C'est dans quoi? Données. Fonctionnalité en ligne. Météo, trafic, photo, multijoueur. Je sais plus c'est dans quoi. Dans divers. Développeur, non. Graphisme, non. C'est dans quoi qu'on désactive le... les points d'intérêt? Ah, je sais plus. Ah, c'est dommage de les avoir. Option générale, option d'assistance, peut-être. Points d'intérêt, ok. On va les désactiver. Voilà. C'est mieux de pas les avoir, ça fait plus appliquer, enregistrer, reprendre. Voilà, on les appuie comme ça. Et on survole la ville de Bilbao. Où on entame notre montée. Alors, quand on regarde... Alors, je sais plus si on peut synchroniser notre avion avec Navigraph. Il faut qu'on soit au-dessus de 3000 pieds quand on va entamer le virage. Là, on a 1600 pieds. Bon, on y sera large. Largement. Là, c'est beau, hein. C'est magnifique. Alors, je joue en vraiment haute qualité. J'ai une 4080, donc j'en profite. Ah, ça donne même envie de se faire un petit vol en VR, hein, des moments. J'ai mon casque VR qui est là, mais bon, je vais pas le mettre là pour le stream. On a 2700 tours. Bon, est-ce que c'est grave? On va baisser un peu, du coup, ouais. Histoire qu'on soit pas dans le rouge non plus. Ah là là, c'est beau! C'est beau! Ce jeu est magnifique. Magnifique. On va rechecker que tout est... Donc le train d'atterrissage, les flaps. On n'a pas d'alerte. On va passer sur le gauche. Le réservoir gauche. Voilà. Ça, il faut surveiller par contre. Hein. Il n'y a pas de mode... Il n'y a pas de mode automatique.
Oh là 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 là, j'adore! Une petite falaise là. Alors j'ai jamais été à Bilbao, mais ça a l'air quand même sympathique comme endroit. Je sais pas c'est quoi là. Très très joli. Et là on va entamer notre virage. On est à 3000 pieds, ça va, on respecte. On respecte les... Alors c'est si je dis pas de bêtises, hein, qu'il faut obligatoirement être au-dessus 3000 et quand on passera la verticale, il faudra être au-dessus 4000. Il faudra être au-dessus 10000 à Anthos. Je vais baisser un peu le son, quand même dans mes yeux. Dans mes oreilles, pardon. Alors au niveau de la, des aéroports... LEBB. Donc on voit qu'ici la météo, voilà, Kavok, ça veut dire nickel. On voit qu'on a... Alors ça, je sais pas trop. Ça, c'est... ça par contre, ça c'est en gros, on a un vent de 9 nœuds du 170. Donc voilà, eux, ils voulaient me faire décoller de la 12 au final. Non, non, c'était bien mieux à la 30, hein, comme j'avais dit. On va juste admirer un peu. On a fait notre, notre tour là. T'as dit quoi au niveau... On va baisser un peu la puissance. Je sais pas s'il y a une puissance de montée au niveau... Au niveau de la checklist. Est-ce qu'on a une puissance de... Ça c'est pour l'approche. La montée entre, entre 100 et 110 nœuds, c'est ça, on a 105. On est pas mal. Donc... On va quitter cette magnifique zone de Bilbao pour aller à un gros gros aéroport de Madrid, la capitale tout simplement de l'Espagne. Le moteur il va encore un peu vite. La mixture qui va qu'on fait, ça va falloir baisser. Je vais mettre à fond et on va jouer plutôt avec la mixture. Plus on va monter, puis il va falloir jouer avec la mixture. Là, on voit, on perd un peu en vitesse. On va accélérer quand même un peu. Voilà, on va pas dépasser 2700 tours. 6000 pieds. On commence à avoir des petits nuages là-bas. Et là, on va faire une verticale du coup. Donc, on est bien largement. On est censé être au-dessus 4000. On est à 6500 pieds. Donc, on est bien. Continue notre montée tranquillement. Et nous, on a décollé d'ici. Hein. Donc, une fois qu'on sera sorti. On va commencer à regarder un peu l'approche. Donc, arrivé à l'aéroport de Madrid. Donc, on a la star, nous, par... on va arriver par le point là, là. Point DAC.
Ça. Il faudrait être à 12 000 pieds ici. 15 000 ici à Nontu, d'accord. Ah ouais, il va falloir monter. J'espère qu'il va monter jusque là, notre cher Bonanza. Donc ce qu'on peut tout de suite regarder, c'est l'approche. J'ai pas sélectionné d'approche au fait. Attendez, je vais faire ça. Donc l'approche par... Alors attendez, non, c'est ici. L'approche de la 32M, ça sera... La 32R, une ILS là. Hein. Ça sera une ILS. La ILSZ Runway 32R. Et on aura une ILS ici. Donc pour l'approche. Donc on va aller inscrire ça dans notre avion. Alors ouais, il faut que je refasse ça, il me semble. Dans ces procédures, sélectionner approche. J'ai le moteur, bon, c'est pas très grave. Qu'est-ce qui sonne là? Hop hop hop. On va perdre un peu en vitesse. Attendez. Je vais l'aider. On va baisser un peu la vitesse de montée. On va baisser un peu la vitesse de montée. Voilà. On perd en vitesse. C'est de regagner un peu de la vitesse. Alors, est-ce qu'il va y monter jusque là? C'est le problème. Hein. Ouais, heureusement qu'il y a des alarmes. Hein. On va monter un peu moins vite, je pense. On va laisser reprendre de la vitesse et on va monter à une vitesse de 400 pieds minute. Même 500, ça devrait... Normalement, ça passe. Hein. 500 pieds minute. Donc, on avait dit l'approche. Donc, c'est l'être... L'approche, c'est la ILS, je sais plus. La ILS Z32R. On sélectionne la Z32R. Entrée. Vecteur. Ouais, attendez, ça faut que je regarde. C'est par Fafep. Fafec. Fafec. Ça me fait faire un truc un peu bizarre là, non? Quoi, ça me fait faire un truc? Attendez, on va déélect, je pense. Non, il m'a pas enlevé tout mon plan de vol, quand même. Non, c'est bon. Pourquoi il me fait faire un truc un peu bizarre? On est déjà ça. 32, ouais. Ok, on va sélectionner une approche, donc.
La ILS, celle-ci. Parfait, FEP. Ok, les minimums. Minimums. Alors les minimums, normalement... Ah, vite. On rebaisse encore en... Elle a du mal à monter, hein. Vraiment. Hein. On a 10 000 pieds, et il a beaucoup de mal. Oh non, on décroche. Bon, la petite, je suis désolé. Ouais, c'était pas prévu au programme, ça. En plus, ça bug en même temps. Ah, j'aurais dû contrôler avant. Bon, je suis désolé hein, pour ce... ce petit moment. On va se remettre en autopilote. Nav. GPS. Je pense qu'il va avoir du mal à monter jusque là-haut. Hein. Oh, ouais, ça va être dur. Hein. Ça va être dur d'aller si haut avec un Bonanza. Bon, on en était là. On va le laisser à... À 300 pieds minute, du coup, par instant. On va contrôler quand même la vitesse. Hein. Aïe, aïe, aïe. Bon. On était là, le minimum... Minimums. C'est où la decision altitude? La runway, ok, ok. Là on a le lock. Refer to minimums. Mais minimums normalement c'est là-dedans. Et c'est celle-ci. Decision altitude, refer to minimums. Decision altitude, on a 2094, 2100 pieds quoi. Ça me paraît beaucoup, mais... pieds, ok. On va load. Not approved for GPS guidance is from the load approach. Du coup, ça donne quoi alors Oh, ça a l'air pas mal là, c'est ça? Qu'est-ce qu'il me fait lui? Qu'est-ce qu'il me fait?
Léa, voilà. Ok. Bon. On est en train de remonter. Tranquillement, on a 10 000 pieds là. On va savoir des nuages. Je pense qu'il va. Je sais pas si on va réussir à monter au-dessus. Hein. Ça va être compliqué et. Ça va être compliqué. J'aurais peut-être pas dû. J'aurais peut-être dû faire prendre un plus gros avion. Parce que quand on regarde la star. Non, pas ça, ça. Quand on regarde, il faut monter à 15 000, hein. On n'ira pas à 15 000. Hein. Oh non, IFR low, hein. Ouais. Ouais, bon, bah on verra bien. En tout cas, on se dirige quand même vers Madrid. On va checker un peu. On va se mettre sur le droit. Ok. Est-ce qu'on peut se mettre un petit timer pour... On va start le timer. Start le timer, voilà. Ouais, c'est ce timer tous les 10 minutes, on va changer de réacteur, enfin de réservoir, pardon. Tout cas, on arrive à 10 000 pieds. Et il dit qu'il faut monter à 14 000. Hein. 14 000, ça va être compliqué. Hein. On va essayer, mais... On repère de la vitesse un peu. Hein. C'est ça le problème. Là, c'est très beau ce jeu, hein. Air Portugal. Alors, le top of descent, lui, le trouve ici. Alors, je sais plus que. Alors, non, j'ai un truc que j'avais noté. Attendez, je vais aller dans. MF, ça, sur métal, ça là-dedans, je crois. Là, pour mon top of descente, normalement, c'est estimate top of descente. Donc, altitude de croisière, moins la destination d'altitude. Par exemple, on est à 11 000 pieds. Si je me souviens, il faut que je fasse 11 000. Moins. Donc l'altitude de Locke, c'est 5 000 fois 3 divisé par 1 000, du coup ça a 18 nautiques. Par contre, pour la descente, je sais pas. Je sais pas du tout le calcul pour la descente. Bon, on va le suivre ici. Hein. Dès qu'on aura passé ici 18 nautiques avant l'interception de ton glide, c'est juste.
Parce que lui on regarde lui nautique. Ah lui il y a beaucoup plus lui. Il top of descente en fait il le fait commencer à dusk. Donc il le fait au moins à 20 30 allez 35 36 nautiques à peu près. Donc ouais, c'est vrai que mon calcul est un peu on va faire confiance au GPS hein, c'est lui qui. Je pense qu'on peut préparer l'altitude, 5000 pieds. C'est pas moi qui parle là. Hein. On sera dans 2 minutes au prochain point. On a 5 nautiques hein, du point 430. Non, je disais juste en mode c'est correct, ton calcul était bon. D'accord. Pour la vitesse verticale, c'est 5 fois ta vitesse sol. Donc là, ça fait 172, 850 pieds par minute environ. D'accord. Bah, on se mettra à 850 pieds à peu près. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit là? Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Attends, elle m'a dit un truc. Monter à 13 000 pieds. Non. Mais je sais pourquoi en fait elle veut me faire monter à 13 000 pieds. Celui-là je suis un peu trop bas en fait. Normalement je devrais... Tu devrais être à 15 000 pieds à Nontu, Orbis, 15 000 pieds ici. Et 12 000 pieds. En fait, je devrais être à 12 000 là. Ça va, allez, c'est pas grave. Mon cerveau, il est en ébullition, donc... Désolé pour ça, mais... L'avantage, c'est qu'on aura... Mais on va pas remonter. On va pas remonter. On en est où dans le réservoir? On est pas mal. On a la moitié du plein. Ouais, je l'ai vu tourner, j'ai eu peur. Je me suis dit, ça y est, on a reperdu le GPS. Mais non, on entame déjà notre virage ici. Et le top of descente se fera au point d'Ax. Donc dans 3 minutes 55. Exactement. Contacter l'approche, ok. On va la régler sur l'approche. Bon, on n'est pas du tout en montée vers 13 000 pieds, mais bon. Alors QNH 30, on va le réactiver le QNH. Continuer vers Fafek, voilà. Il nous a enfin trouvé notre truc. Tout à l'heure il nous dit allez c'est bon, piste 32R autorisée, allez jusqu'au point NEA qui se trouve derrière moi, je sais pas combien de nautiques. C'est quand même incroyable. J'ai vu qu'il y avait des ATC aussi, on peut leur parler directement avec notre micro. Et ils sont en français, il faudrait que je teste. Là, le top of descente est dans 2 minutes 30. Arrête de me dire d'accélérer ma montée, on va descendre. Et c'est ça, au point d'Ask, on sera à 11 000 pieds. Et il faudra être... ok. Ok, ok. On aura pas oublié de jouer avec la mixture en descendant aussi.
Il est quelle heure? 15h45. J'espère que ça va le faire. On sera arrivé avant 16h20. Si je dois arrêter à 16h20. Normalement, ça devrait être bon. C'est un peu plat, hein, Madrid, quand même. C'est tout plat. Le centre de l'Espagne. Dans une minute, nous sommes au top of descent. Active enough profile. Ah, on peut se mettre en... En fait, le VNV, là, il va me calculer directement, je crois. Top of descent dans 44 secondes. Est-ce que si je me mets en VNV, je sais plus, est-ce qu'il va... Je crois qu'il va le faire lui-même. Hein. On va tester. Ah, lui, il estime à 600 pieds minute. La descente. Bon, lui, il va se taire, la TC, il commence à me fatiguer. Top of descente dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et normalement, si j'appuie... Voilà, il va se régler. Ok, nickel. Et là, on va baisser tranquillement. On va pouvoir baisser un peu la puissance. Pas aller trop vite non plus. Alors là, fais gaffe, t'es en pit, c'est pas bon. En pit, c'est-à-dire... Équivalent de roll, mais en vertical. Ah! Ça veut dire que pour l'approche, il va pas se baisser seul. Bon, après, au pire, c'est pas grave. Je peux le faire à la main. Quand on va baisser un peu la puissance. On va freiner un peu tout ça. On va arriver à 10 000 pieds. On va remettre les feux d'atterrissage, du coup. Essaye de rappuyer sur Vénav. Ça fait rien quand j'appuie sur Vénav là. Qu'est-ce qu'il me dit lui? Monter encore à 13 000 pieds, mais il va se taire. On commence à baisser la puissance. 4 minutes, on approche un point. Donc le point Ursif, on y sera dans 4 minutes. Ok. Là, t'as VPH armé, donc c'est bon. VPTH, ouais. Il me semble qu'il y était, hein. Il va se taire! Là, on est en train de descendre ouais, vraiment doucement. Hein. Lui, il avait estimé 627 pieds minutes, mais là, on est qu'à 400. On va repasser aussi sur le droite. Voilà. Et on voit apparaître un peu Madrid.
pas si c'est vraiment Madrid en dessous. Ah si, c'est Madrid. C'est bien Madrid sur notre gauche. Est-ce qu'on va voir le stade de Santiago Bernabéu? Ça va être compliqué de voir d'ici. Là c'est pareil, t'es trop haut, donc il n'engage pas la navigation verticale, elle est juste armée. Ouais c'est ça. Quand je serai à 5000 pieds, normalement c'est bon. Bon là il va suivre le... tranquillement. Je sais pas, il se trouve où le stade du tout à Madrid. Vu comment elle est énorme. Elle a testé, il peut faire n'importe quoi. Hein. Vraiment. Là, c'est pas. Ouais. J'ai déjà vu ça. Non, là, les stades en bas. On doit être à 7000 pieds à Ursif. On y sera large. On est à 9000. On y est dans 1 minute 30. Après, si on regarde la truc, la TC me fait faire vraiment n'importe quoi parce qu'on est censé être. Là, on est entre Dask et Ursif. On doit être au-dessus 7000. Donc. Pourquoi lui il nous fait aller à 13000 pieds, pas comprendre. Hein. J'ai envie d'arrêter la TC, il m'énerve à force de l'entendre. On voit une piste ici. LEBG, d'accord. Il y a notre aéroport ici. Ouais, c'est qu'il y a l'aéroport ça. LEGT. Ouais. Nous, on va vraiment derrière. Hein. Pour l'instant, tout le plan se passe pas trop mal là. On va s'en sortir. On va survivre à ce vol un peu foiré, mais bon. Si je le mets sur YouTube, ça va être beau. Je me tâte à mettre mes vidéos Flight Simulator sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, mais je pense que je vais le faire, mais il faudra que je sélectionne des vols, hein, parce que... C'est pas là-bas le stade? Ah si, on le voit là. Le stade de Santiago Bernabéu. Là-bas. Il est en train de me donner mal au crâne cet ATC. Là il calcule 900. Ah, je suis plus en vénave là. Pourquoi il m'a pimu, il m'a... Ah, il calcule... Ouais, je vais peut-être le faire à la main. Là, il me calcule un nouveau top of descente. Un peu bizarre. La vitesse, on a 162. Abaisser un peu la vitesse.
Avez-vous reçu ma dernière... Ouais. On y va, 7000 pieds, on y va. Ok, là on va redescendre à 6000 après. C'est bizarre qu'il recalcule un top of descente là. La ville de Madrid. Ah, le Santiago. Là, on sera dans 2 minutes au point Fafec. Donc c'est notre point de transition pour l'ILS. Fafec. Donc on va arriver ici. Au point Fafec ici. On arrive ici. Accélérez votre descente. Non mais ça va ou quoi? Et il m'a capté le VPTH là. Donc là le, il a capté la, la descente. Si je dis pas de bêtises, là on est un peu bas. Ouais, il me fait faire un sacré... On va réduire les gaz. Hein. On va aller un peu trop vite sinon. Vous êtes en dessous de l'altitude que vous avez monté à 7000 pieds. Mais non, le plan de vol c'est 6000. Allez, si tu veux. Si tu veux, si tu veux. Ils ne pas perdre trop de vitesse. On arrive au point Fafec. 6000 pieds. On peut regarder le... Qu'est-ce qu'il dit encore? On descend 5000 pieds. On y va, on y va, on y va. Normalement, il va y aller tout seul. Hein. En V9, là. Là, elle est... on l'a capté la V9 et... secondes. On sera au point MD470, c'est-à-dire ici. Et après, on entamera... Ça va faire un sacré virage hein, pour la piste là sur... Ah, baisse... On va baisser un peu la vitesse. Hein. Et on a 5000. Attention de pas trop. Dans 1 minute, on sera au point MD475. On va peut-être commencer à percevoir la, la piste, non? Sur notre. Je suis aveugle ou... Ne dépassez pas la vitesse de 200 nœuds, mais ok. Attention à pas perdre trop de vitesse non plus.
Pour l'instant, ça le fait. On devrait pas tarder à pouvoir choper le glide. Nœuds. Alors j'ai pas regardé la vitesse de descente sur la... Parce que là j'ai ça. Ah bah top of descente là c'était là le calcul. L'approche, la vitesse d'approche 80 nœuds quoi. 80 nœuds. Les flaps, on peut remettre les flaps, je pense, on va commencer à ralentir. Qu'est-ce qu'il me fait? On demande de contacter la tour. Accepter autorisation. On voit la piste, hein, elle est juste là. On va contacter la pompe, on va commencer à ralentir pour pouvoir sortir les flaps. On a le lock. On peut cliquer sur approche. Voilà, on a le glide là. On va pouvoir mettre les flaps en route. On a chopé le lock. Normalement, une fois que le glide va commencer à descendre, on devrait commencer à descendre aussi. Attention, pas perdre trop de vitesse. On est un peu lent là. Voilà, le glide arrive. Et normalement notre avion... Voilà, notre avion commence à descendre. À ralentir. On a bien les feux d'atterrissage demi. L'arrivée à Madrid. Et voilà, ça suit le glide, nickel. On va essayer de viser 80 nœuds pour l'atterrissage. Ça dit qu'on y sera dans 4 minutes. On sera posé. Ah, ça se passe pas trop mal l'arrivée là. Je suis content. Mieux que le départ. On va pouvoir baisser un petit peu la vitesse. Pas trop non plus. On va pouvoir sortir les trains d'atterrissage.
Allez, moi ça c'est arrivé. C'est arrivé à Madrid. Bon, il y a un avion qui vient de décoller. Je prépare le joystick pour bien le mettre. Nœuds, on va quand même contrôler de pas trop baisser. On avait dit c'est 80 nœuds hein, l'atterrissage. Ah oh, j'adore. Bon, ça bug un peu. Je pense que ce qui fait bugger c'est le trafic. Je devrais peut-être un petit peu réduire en quantité. Ça faudra que je règle ça plus tard. Bon après là ça va, c'est quand même fluide. 83 nœuds. On est à 3000 pieds. On se rappelle le minimum, normalement il est à 2100. Alors est-ce que ça va me le dire ou pas? Comme sur le TBM, il nous dit minimum, mais je pense pas qu'il va le dire là. 82, attention, hein, pas trop baisser. Réservoir, on est pas mal, on peut même repasser sur le gauche vite fait. Hop. Ouais, j'ai eu peur. Ça a crash, enfin ça a crashé, ça a figé. Ce que je vais faire, c'est que ça, je vais l'éteindre. Hop, on va quitter. Ça fait bugger aussi, hein, Little Nav Map. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. 77 nœuds. Peut-être un léger coup de gaz. Voilà. Voilà, je pourrais reprendre à la main. Mais je suis un feignant. Ah, il va me le dire la minimum, je pense. Bon, allez, je reprends la main. On désactive le pilote auto. De se raligner quand même. Il y a un peu de vent en fait. Hein. On va viser ce carré. Voilà la petite rotation. Et voilà, on est posé. Un peu violent, mais ça va. On va freiner. Ouais, ça a bougé un petit peu à la fin, un peu de vent. En tout cas, on a réussi l'approche. Merci à toi pour le follow, Achille. On va essayer de sortir
On voit qu'il y a un avion là-bas qui s'engage. Ouais, c'est la 18 qui est en service, je comprends pas moi. Alors, on va sortir ici. Voilà. On va remettre les feux de taxi. Voilà. On va demander un... On va demander un roulage réglé au sol. On va dérouler jusqu'à l'aire de stationnement. Mais ben ça va être derrière. Ok. K-A-K-C-M-M-D-A. Ouais. On va avoir un peu de taxi. Il me reste 15 minutes avant de déconnecter. Ça devrait le faire. On peut rentrer les flaps. Voilà, bien arrivé. C'est peut-être un miracle qu'on y soit en vie, mais nous sommes en tout cas arrivés à l'aéroport de Madrid. Avec notre petit coucou. Alors c'est pareil. Mon objectif à chaque fois que j'arrive à un aéroport, c'est de repartir du même aéroport pour aller ailleurs. J'ai déjà traversé la France, j'étais en Corse, j'étais à Minorque, de Minorque, Barcelone, Barcelone, Bilbao, Bilbao, ici. De temps en temps, je fais des vols VFR, j'ai fait un vol VFR sur, au-dessus de la Corse, qui était vraiment pas mal. J'ai fait aussi du VFR composé à Courchevel, mais le VFR, je gère plus. Il n'y a pas d'ordinateur à gérer, donc c'est vraiment du tout à vue. Voilà l'aéroport. Quoi comme livret? Suisse. D'accélérer un peu quand même. Bon, c'est pareil, hein. Tout ce qui est taxi, je gère pas du tout. Là, quand on voit ce qu'il m'a annoncé, toutes les lettres, il m'a perdu. Hein. Je préfère mettre la ligne bleue et en avant Guingamp, on suit quoi. On n'est pas encore arrivé du tout, en fait, on a l'air d'être loin. Ouais, on va essayer de aller un petit peu plus vite parce que là c'est le temps. Ouais. Les petits avions. Il est quand même grand hein, cet aéroport. Mine de rien. C'est quoi là-bas? Iberia. Hop hop hop. On s'est trompé de... Ah c'est pas grave. Pas mal d'avions là.
Ne dis pas que tout ça, c'est des avions qui attendent pour assis. Ah, c'est peut-être pour ça. J'ai peut-être un petit peu abusé sur le nombre de trafic qu'il va falloir. Il va falloir peut-être en réduire un peu. Je verrai ça plus tard. Bon, vous m'excuserez, mais je regarde, j'admire un peu la beauté de l'aéroport. Hop, 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 pas trop vite. Les freins. Et pour tourner, il a un mal fou. Il doit y avoir quelque chose qui est verrouillé, c'est pas possible. Apparemment. Ah ouais. Je pense que c'était buggé. Ils étaient buggés parce que ils ont disparu. Alors on essaie de traverser ça rapidement. Bon, jusqu'où ça va aller? Bon, j'essaie d'accélérer, hein. Sinon je vais pas avoir de temps. Alors, normalement je devrais pas aller aussi vite, hein, mais... Bon, attention, on n'est pas en train de décoller non plus, hein. On a un peu. Oh, c'est un Boeing à côté là. Ah ouais, ah, regardez-moi ça, magnifique. Korean Air, le petit Boeing. Ah, le petit. Ah, c'est quand même beau, hein, le trafic. Hein. Oh mais regardez tout le trafic que j'ai mis, c'est énorme. Ils sont à la queue leu-leu là-bas. Mon dieu. Écoutez, je vais passer à travers lui sinon... Dites-moi que je suis arrivé bientôt parce que sinon... Allez, je vais me dépêcher. Il est 18, dans 7 minutes je dois déco. On n'aura pas le temps de finir. Hein. Et je pense que je vais m'arrêter dans... Ah, il y a du trafic. Hein. Ah, les Iberia, ça y va. Hein. On va concentrer. Je crois que je suis arrivé, non? Je sais même pas. Bah, je crois que je suis arrivé là. Freine, freine. C'est là-bas. Non, je suis pas arrivé encore. Ouais, j'ai envie de m'arrêter n'importe où parce que c'est trop compliqué là. Ça va être trop compliqué au niveau du temps. Écoutez, on va s'arrêter ici. J'ai plus le temps. Tant pis, on va dire que c'est mon aire de stationnement ici. Hein. Voilà. Voilà, on s'arrête là. Voilà, le frein de parc est mis cette fois-ci. On va juste regarder. Je vais mettre ma checklist vite fait. J'ai 5 minutes pour la faire. Si je la retrouve. Alors... les yeux à l'approche. After landing, donc clairance. Les strobes, on va les éteindre. Donc les strobes. Les avioniques, on l'éteint.
Le taxi, on peut l'éteindre. La nav, on peut l'éteindre. Le taxi, on peut l'éteindre. Les flaps, c'est bon. L'anti-ice, c'est bon. Le son de pitot, on peut l'éteindre. Ok, on va mettre... On va éteindre l'alternateur. Air conditionné et tout, et on va éteindre le moteur. Voilà. Voilà, voilà, 1h41 de vol. Bah, au final, c'est à peu près ce qui est annoncé par Simbrief. On va juste éteindre les batteries, histoire de... Voilà, on a vraiment éteint notre truc entièrement. Ben merci hein, les gens, merci à toi Achille de m'avoir bien aidé, tu m'as peut-être même sauvé. Peut-être grâce à toi si on a réussi à se poser ici. Alors moi je vais m'arrêter là, c'était un petit live sympa, je pense que je vais essayer d'en refaire un peu plus souvent. Du live Flight Simulator, parce que c'est vrai que je prends quand même beaucoup de plaisir. Et j'ai énormément de choses à apprendre sur ce logiciel, c'est pas vraiment un jeu. Hein. En tout cas je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Et on se retrouve à la prochaine. Allez, bye bye.